Bonjour à tous, c'est Baigo. On se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de notre carrière manager avec les Girondins de Bordeaux. Aujourd'hui, donc, deux matchs donc de prévu. Un contre le Rubin Kazan et l'autre... je sais plus du tout. Donc, pour ce premier match contre le Rubin Kazan, donc, on a donc composé cette petite équipe. Donc, avec Mbolo à gauche, Crivelli en pointe, parce que Crivelli, j'ai envie qu'il évolue et je le sens bien. Kazri en milieu offensif, en milieu centre nous avons notre une recrue, donc Amarté avec Biokopoko, en milieu def, hop pardon, c'est Biokopoko que je voulais mettre en milieu def, et du coup, non, qu'est-ce que je dis, c'est Amarté que je, non c'est Biokopoko, attends, j'ai un petit souci les gars, technique, Biokopoko en milieu def, c'est ça, j'ai bugué complètement, CV en milieu centre avec Amarté, à gauche Punji avec en défenseur central, Palois et Pablo. Et à droite, Yorfa et toujours Carasson, gardien, c'est normal. En remplaçant, donc, dans Prior, Yambéré, Touré, Diabaté, Pereira, Gaïch et Jutier. Nous avons Jiménez en bas qui est blessé, toujours avec Diego Rolan aussi qui est blessé. Hop. Donc, pour rappeler vite fait, on va jouer donc contre le FC Sion. Non, je dis n'importe quoi là. Le Rubin Kazan est contre le Estac de 3. L'Estac. Pour la prochaine vidéo, nous aurons donc la Coupe de Ligue. On va se taper Paris d'entrée, quoi. Super. Et après, Gazelec Ajaccio. Ok, Dac, pas de soucis. Alors, donc, pour rappeler le classement donc, de l'Europa League, nous sommes premiers, donc nous sommes plutôt pas mal. Bah, écoutez, les gars, moi je vous dis à de suite pour le. Premier match. C'est parti pour le premier match, les gars. Allez, go. Allez, c'est parti là. On est lancé. Bon, première frappe, les gars. Première frappe. Frappe moyenne. Il n'y a pas à dire. Frappe moyenne. Bon, on est plutôt bien parti, les gars, dans ce match. Allez, corner. Oh! Punaise, excusez-moi les gars, je parlais pas. J'étais concentré là, on est vraiment bien parti. Deux frappes déjà d'entrée, j'espère que ça continuera là-dessus. Allez, oh oui elle est belle. Oh la faute. Oh y a pas faute, la blague mon gars. Oh la grosse blague, je frappe le mec, il m'arrête complètement de ballon. C'est pas possible. Des fois les gars je me dis mais c'est pas possible quoi. Ce jeu est vraiment bizarre des fois. Oh Yorfa, comment il s'est fait passer. C'était chaud hein. C'était chaud les gars. Putain, Yorfa les gars, Yorfa est pas dans son match. Hein. Il est tellement pas dans son match que ça commence à chauffer pour nous quoi. Allez. Mais voilà les gars, c'est tout. C'est tout aussi simple que ça les gars. Jouer en passe propre, juste comme il faut. Et puis ça rentre les gars. Que demander de plus. 1-0 les gars, ça fait plaisir. But d'Mbolo, notre nouveau buteur. Tout jeune, 18 ans, quelque chose comme ça. Ou 19, mais vraiment tout jeune. Et puis sur une passe de Crivelli. Donc là franchement la jeunesse était présente en tout cas. Ça fait plaisir. Allez 1-0. Crivelli les bouillants. Je sais pas ce que j'ai un bon doigté avec le petit Crivelli les gars. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression de jouer avec Ibrahimovic presque quoi c'est. Ça me fait plaisir en tout cas. Bah allez corner. Oh. Pour moi il y avait faute encore. Parce que je frappe et je me fais emporter sur la par là en arrière les gars. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Il passe. Oh oui. Ah non. Pardon. Si cette balle, les gars, n'était pas touchée, je crois que ça y allait, quoi. Oh. Non, je me fais bloquer encore. Hein. Je me prends des gros blocus à chaque fois dans cette surface. Hein. Bon, les gars, c'est la mi-temps. On mène 1-0. Ça fait plaisir.
Pourtant, match, je pense qu'on est légèrement meilleur que Kazan pour le moment. Mais ils ont eu quand même, je crois, deux bonnes occasions. Bon. 1-0, en tout cas, les gars, c'est le principal. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Là, je suis bouillant, là. Là, je suis bouillant, les gars. Là, je suis plus que bouillant, les gars. Pouah! Là, franchement, les gars, ils ont rien vu, les gars. J'ai joué en soit en une... Je sais pas si je joue en une touche de balle, mais je fais des 1-2. Petite pige... Petit, merde. Petite passe en profondeur, lobé. Ils ont rien vu, là. Rubin Kazan, les gars, ils ont rien vu. Le mec, regardez-le, il était abasourdi, quoi. Genre, putain, les gars, il s'est passé quoi, là? Il y a eu un ovni. Un ovni est passé. Pouf, pouf, pouf. Ah, c'est-à-dire que je la tire hyper mal en plus sur le gardien, mais leur gardien a fait un arrêt de merde. Faut être honnête. 2-0 les gars, ça fait plaisir. On est bien parti dans cette seconde période, franchement, on annonce la couleur, quoi. On est toujours aussi motivé que la première période. Allez. Allez Punji. Allez Punji, il se bat. Punji, il fasse. Ouh. Et même Pudge devient bon, les gars. Je sais pas ce qui se passe. Hein. Oh là là, elle est pas passée loin, quand même. Allez. Allez, c'est veillé, parti. Il est parti. Il est parti. Il est parti. Oh! Comment il a pu rater? Elle est touchée, je crois qu'elle est touchée là. Ah ouais, elle est touchée. Allez, la tête. Ouh, j'ai cru qu'il allait y aller. Oh oui. Oh! Hop! Oh là là, les gars, mais je sais pas ce qui se passe là, mais c'est de la folie quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir des matchs comme ça, enfin, les gars. Pas des matchs galères. Oh putain, le contrôle, le caserie, quand même magnifique. Oh là là, mais là, franchement, les Bordelais. Je me demande si ça existe vraiment, ça, le fait que les joueurs soient plus motivés quand on gagne ou quand on revient au score. Ou justement moins motivés quand on se fait rattraper au score. En tout cas, j'ai l'impression que mes joueurs, ils ont la forme. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir une meilleure équipe que d'habitude. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir, les gars. Enfin, un changement, le mec m'a fait un centre dégueulasse, l'adversaire. Alors, on va faire rentrer Touré à la place d'Embolo un peu. On va sortir Casri, on va mettre le petit Juicier, et puis on va faire rentrer le petit Pereira à la place de CV. Allez, c'est parti. Il est tout seul. Ah, oh, Touré, il part. Touré, il part, les gars. Touré, il part. Oh, le poteau! Je suis déçu quand même là. J'aurais pu mettre 3-0, bien finir ce match tranquillement. Bon, mais voilà, les gars, ce match est fini. On gagne 2-0, ça fait plaisir. On a plutôt bien dominé la partie. Allons voir rapidement les stats. Continuer. On a même total. Alors, en fait, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'en possession, ils avaient le ballon. Mais je pense que je commence un peu à comprendre la défense. Et ils n'ont pas du tout réussi à passer, tout simplement, en fait. Et moi, j'ai eu vraiment des occasions, quoi. J'ai frappé de loin, j'ai. J'ai eu pas mal d'occases, une bonne précision de passe, les gars. Je commence un peu à m'y faire, ça y est. En tout cas, les gars, si ce match vous aura plu, tant mieux, parce qu'on va faire le deuxième, tout simplement. Allez, à de suite. Donc, c'est reparti, les gars, pour le match contre 3. Donc, j'ai fait une nouvelle compo, en fait, pour reposer mes joueurs. Donc, en pointe, j'ai mis Touré avec Diabaté. Derrière, j'ai mis Rolan. En milieu centre, j'ai mis notre petit Pereira avec Ounas pour tester enfin ce petit Ounas parce que je sais pas du tout ce qu'il vaut. 3-3. Bon, ok, on va voir ce que ça donne. Le petit Traoré en milieu défensif. À gauche, Contento en défenseur central, donc toujours Palois. Avec cette fois-ci Yambéré. Et à droite, Guilbert. Et au cage, notre petit Carasso. J'espère qu'on va pas prendre de fessée avec cette compo parce que je la connais pas du tout. Nous allons voir rapidement le classement général afin de voir combien où nous sommes classés plutôt. Donc nous sommes actuellement 11e avec 13 points.
C'est pas sensationnel. Il va falloir vite remonter, les gars. Donc, ce que je vous dis, moi, c'est à de suite pour ce prochain match. Allez, c'est parti, les gars, pour ce match contre 3. J'espère qu'on va gagner. C'est parti. Pas bien contrôlé, on va dire. Tout simplement, Touré. Allez, voilà, on la met là. On la met pour l'âme. Pour l'âme. Et Roland est pas mal hein, quand même, hein. Il est bien sur ses appuis, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Franchement, il est plutôt pas mal. Pour Ounas. Ounas. Ounas pour Pereira. Pereira pour Touré. Je suis pas sûr qu'elle ait été cadrée, celle-là. Ah là là, à chaque fois, ça va me changer de joueur. On va faire tenter quand même Roland, quand même. Pas dégueulasse, Roland, je pense. Et bien voilà, les gars. Premier but, les gars. Ça fait plaisir. Sur corner de Roland. But de Pereira. Et vous voyez, les gars, il a tiré le premier corner. Ça peut passer. Il s'est mis au centre. Et il nous a mis une tête, les gars. But 1-0 pour Bordeaux. Oh là là. Allez, là, ça joue serein. Ça joue serein. Attention, les Troyens sont chauds. Il est bouillant. Première frappe, Gilbert. Oh, déconne pas, voilà. Allez, on part, les gars, en contre-attaque. C'est parti. Roland est bouillant. Roland est parti. Excusez-moi, les gars. Et but, j'en ai fait tomber mon micro. J'ai mis un coup sur le support sur lequel il est positionné, comme un gland. J'étais tellement content en fait. En fait, j'ai mis le pied avec lui, du coup, j'ai mis un pied dans le support, tout simplement. Les gars, ça fait 2-0, les gars. Putain, 2-0, ça fait plaise. But d'Adamounas. D'Adamounas, c'est pas trop mal. Je savais pas que ça s'appelait Adam, Adam. Adam, Adam Ounas. Premier but, les gars, pour lui. Deuxième but pour Bordeaux dans ce match. On est vraiment bon là. Bon, bah les gars, c'est la mi-temps. On mène 2-0. Ça fait plaisir. On est vraiment pas mal du tout. Voyons voir rapidement les stats. Voilà, donc bon, on a fait 4 tirs, 4 cadrés. Enfin, c'est à peu près égal au niveau possession de balles. Ils ont fait qu'un tir. On est pas mal en passe. 85% de précision. On joue bien, on joue propre. Ça se voit dans les buts après, les gars. 2-0. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Allez, les gars, faut revenir là. Je pense que là, ils vont être bouillants. Il joue en passe, le Troyen. Allez, on se le prend à deux celui-là. Allez, dégage. Ouh, je sais pas trop ce qui s'est passé là. C'est lui qui prend la balle. Corner, les gars, pour eux. Faut pas déconner là. C'est pas maintenant qu'il faut déconner. Prends pas de risque là. Je sais pas qui c'est qui a fait. J'ai deux chauves dans mon équipe. Je sais pas qui c'est qui a fait la tête. Il a pas pris de risque en tout cas. Voilà, c'est pour nous ça. Allez. Allez, Diabaté. Alors, je l'ai poussé. Je sais pas pourquoi je l'ai poussé. Oh là là. Ouh là, on défend bien. On défend propre, les gars. C'est ça, maintenant. J'ai compris un peu vite fait comment marchait la défense, maintenant. Faut dire que j'ai fait plein de matchs en ligne. Du coup, ça commence un peu à aller mieux. Faut que je dise ça pour se prendre une occasion, les gars. J'ai cru qu'on allait prendre un but. Allez, on part en contre, là. Oh, Pereira, il est motivé. Pereira, les gars, il trace. Pereira, il trace. En plus, il dribble bien. Il enroule. Ah là là, il a un peu trop enroulé. Enfin, pas trop, mais le bel arrêt du gardien, en tout cas. Là, j'étais concentré, les gars. Je vous dis, j'étais chaud pour le 3-0. Allez, les gars, hop, on dégage, voilà. Pour Ounas. Ounas. Ounas pour Pereira. Pereira. Oh oui, oh, Diabaté. Je suis gourmand. Oh non, je la voyais dedans, quoi. Oh, les gars, j'étais gourmand, mais je me suis dit, ah oui, celle-là, elle y va, c'est sûr. Et non, mais l'arrêt formidable du gardien, jamais vu ça, quoi.
Je sais pas comment il a fait pour l'arrêter. Oh oui, le tacle merveilleux de Contento. Franchement, là. Allez, Touré. Hors jeu. Ouh là là, attention les gars, ça commence à bouillir. À bouillir. Mince, qu'est-ce que je fais? Allez, allez les gars, faut rattraper cette balle. Mince. Allez. Non mais sans déconner, mais c'est des... Ils ont des occasions, hein, mais ils savent pas cadrer, quoi. Ils savent pas cadrer, sans déconner. Bon les gars, je vais faire quelques changements. Je viens de me rendre compte en fait que j'avais pas du tout fait un seul changement. Et d'ailleurs, ça se voit parce que Ounas commence à être cuit. On va faire entrer le petit Amarté. Non, attends, tu vas rester là. On va faire entrer ensuite Mbolo et le petit Kazri. Histoire de bien de mettre un petit troisième but, ça ferait plaisir. Bon, ben voilà, les gars, c'est la fin de ce match. J'espère qu'il vous aura plu. Ça fait donc 2-0 encore. Donc, deux victoires de 2-0, tout simplement. On se relance un peu, ça fait plaisir. Voyons voir rapidement les stats de ce match. Donc nous avons quand même dominé au niveau des tirs ce match. On était plutôt pas mal. Ils ont eu quelques tirs, mais je vous dis franchement, ils ont fait des tirs hors cadre. C'est ce qui leur a coûté cher, je pense. Ils se sont pas bien concentrés, les Troyens. En tout cas, nous les gars, on gagne 2-0, ça fait plaisir. On gagne 2-0 en Europa League aussi, ça fait plaisir aussi. Moi, sur ce, les gars, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne après-midi ou une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine et puis je vous fais la bise les gars, allez ciao !